Commençons le premier chapitre avec effectivement la cinématique qui est l'étude du mouvement. Pour définir le mouvement, il faut déterminer ce qu'on appelle la position d'un objet et étudier cette position en fonction du temps. La position d'un objet est ce qu'on appelle en mathématiques un vecteur qui nécessite une origine O et le point P qui nous intéresse qui va lui se mettre en mouvement. On note cela par O. Avec une petite flèche au-dessus qui va de O vers P. Ce point O et cette flèche indiquent que nous avons besoin de ce qu'on appelle un système de coordonnées. Le point O est l'origine du système de coordonnées. Le point P est le point en mouvement. Le vecteur qui va de O à P est la flèche qui lie le point O, centre du système de coordonnées, au point P. Le point O nécessite en plus, et c'est à ça que servent les fameuses petites flèches, deux directions privilégiées qu'on baptise X et Y arbitrairement. Le système de coordonnées que nous utiliserons dans ce cours est ce qu'on appelle un système de coordonnées cartésien, où les directions X et Y sont perpendiculaires l'une à l'autre. Nous avons donc besoin de deux nombres, le nombre X dans la direction X et le nombre Y dans la direction Y pour déterminer la position du point P à deux dimensions. La notion de vecteur rappelle donc simplement le fait que nous avons besoin de deux nombres dans un système de coordonnées centré en haut dans deux directions perpendiculaires X et Y pour déterminer cette position. On peut encore écrire explicitement la position OP comme étant x multiplié par un vecteur 1x plus y multiplié par un vecteur 1y, de telle façon à bien mentionner les deux directions perpendiculaires x et y et les deux nombres x et y qu'on appelle les coordonnées du point P. Évidemment, cette notation se généralise puisque nous vivons dans un monde à trois dimensions. La position d'un point P dans notre espace a besoin de trois nombres, de trois coordonnées, de telle façon à déterminer la position d'un objet. On parle de cinématique, cela signifie que le point P se déplace, et donc il a des coordonnées à un certain temps, et puis d'autres coordonnées à un autre temps. Cela signifie que le vecteur OP dépend explicitement du temps. On note cela en désignant OP avec une petite flèche qui va de O à P. On ouvre une parenthèse et on écrit la variable t et on ferme cette parenthèse pour indiquer que la position dépend du temps. La physique est l'étude des phénomènes en fonction du temps, puisqu'elle consiste à écrire des lois qui vont prédire le lien entre la cause et l'effet. On peut donc affirmer que la physique est une science du temps. Le point P bouge. Donc il a une certaine position à un instant et une autre position à un autre instant plus tard. On va noter l'instant initial T numéro 1 et l'instant d'après T numéro 2. Le point P exécute donc ce qu'on appellera un déplacement qui va du point P à l'instant T1, position initiale, à P à l'instant T2, position finale. C'est aussi un vecteur puisqu'il lie le point numéro 1 au point numéro 2. Le déplacement est donc la différence entre la position après moins la position avant. Ce déplacement a eu lieu entre l'instant T1 et l'instant T2. Donc on va définir ce qu'on appellera la durée comme étant la différence entre le temps d'après, T2, et le temps d'avant, T1. On va donc définir un concept qui est le rapport entre le déplacement et la durée. La différence de position divisée par la différence de temps, c'est-à-dire le déplacement divisé par la durée, va nous donner comme concept ce qu'on appellera la vitesse moyenne. La vitesse moyenne est donc elle aussi un vecteur, puisqu'il y a une vitesse dans la direction x et une vitesse dans la direction y. Elle se mesure en mètres divisé par seconde, donc en mètres par seconde. Cette différence entre deux instants, d'une position ou d'un temps, eh bien sera tellement courante en physique qu'on va utiliser une lettre delta majuscule, la lettre grecque grand D,
pour indiquer cette différence. On notera delta, ouvrir parenthèse, vecteur OP, fermer parenthèse, la différence entre les deux positions. De même, on notera delta T, la différence entre T2 et T1. Nous avons donc la définition mathématique de la vitesse moyenne. Le vecteur vitesse moyenne est égal à la différence de position, donc delta OP, divisé par delta T, la durée du mouvement. Mathématiquement, on peut en déduire que le déplacement delta OP n'est rien d'autre que la vitesse moyenne, le vecteur V indice M, multiplié par la durée delta T. Ce qui signifie aussi que la position après, OP à l'instant T2, est égale à la position avant, OP à l'instant T1, plus la vitesse moyenne fois la durée. La physique utilise très souvent des graphiques pour représenter l'évolution des coordonnées en fonction du temps. Donc ici j'ai deux coordonnées, x et y, ou à trois dimensions j'en ai même trois, x, y, z, mais ici je vais représenter une seule coordonnée, la coordonnée x, en fonction du temps. Dans ce graphique, je représente la coordonnée x que j'exprime en mètres, c'est pour ça qu'il y a x parenthèse m fermé parenthèse, en fonction du temps, exprimé en secondes. Dans ce graphique, je peux lire qu'à l'instant t égale 3 secondes, la position x égale moins 3,01. De même, je peux lire qu'à l'instant t égale 4 secondes, la position est de 4,36 mètres. Je peux donc facilement calculer le déplacement dans la direction x, qui est 4,36, la position après, moins la position avant, qui est de moins 3,01. Le delta x vaut donc 7,37 mètres. Le delta t est plus simple, c'est 4 secondes moins 1 seconde, donc delta t vaut 1 seconde. La vitesse moyenne est donc delta x divisé par delta t, c'est-à-dire 7,37 mètres par seconde. Faites attention à l'illusion d'optique que peut représenter ce graphique, parce qu'effectivement, la variable x et la variable t sont deux axes qui sont perpendiculaires. Donc on a l'impression de voir apparaître un triangle rectangle, avec un delta x et un delta t. Sauf que delta x se mesure en mètres, delta t se mesure en secondes, et donc il ne s'agit pas d'un triangle géométrique, ce qui signifie que l'angle bêta qui est là n'a strictement aucun sens. Vous allez retrouver ces graphiques à peu près dans toutes les publications scientifiques, et donc on peut calculer la vitesse de n'importe quoi, pas simplement la vitesse de déplacement. Par exemple, ici, dans le premier graphique, vous avez l'anomalie de température en fonction des années. D'accord ? Et donc là, vous allez avoir une vitesse marquée en degrés par année. À droite, vous avez simplement l'électrocardiogramme. Et là aussi, vous avez une différence de potentiel électrique en fonction du temps. En bas à gauche, vous avez la pression artérielle en millimètres de mercure. Et en bas à droite, vous avez là aussi la mesure du potentiel électrique dans un électroencéphalogramme. Chaque fois, on peut calculer la vitesse moyenne de strictement n'importe quelle quantité qui évolue au cours du temps. Mais la vitesse moyenne est clairement une notion ambiguë. Par exemple, si j'examine ce qui se passe en t égale 5, la position à ce moment-là vaut moins 4,34 mètres. Donc si je calcule le déplacement entre t égale 3 et t égale 5, je trouve un delta x qui vaut moins 1,33 pour un delta t qui vaut 2,0, ce qui me donne une vitesse moyenne de moins 0,67 mètres par seconde. Donc la vitesse moyenne dépend fondamentalement de la durée entre les deux moments où je mesure la position. La vitesse moyenne étant ambiguë, on va définir un concept qu'on appelle la vitesse instantanée. La vitesse instantanée sera définie comme la limite de la vitesse moyenne lorsque la durée tend vers zéro. C'est-à-dire qu'on fait la différence de position, c'est-à-dire le déplacement, que l'on divise par la durée, qui est la différence de temps, et on fait la limite lorsque cette durée tend vers zéro. C'est-à-dire qu'on écrit que la vitesse instantanée est la limite quand delta t tend vers 0 de delta op divisé par delta t. On note aussi cela en décrivant que la vitesse instantanée v, le vecteur v, est égale à d du vecteur op divisé par dt.
La vitesse instantanée est ce que vous avez appelé la dérivée du vecteur position par rapport au temps. La notation DOP divisée par DOT est fondamentale. Le petit d rappelle qu'il s'agit d'une différence qui tend vers zéro. Et la barre signifie bien qu'on fait une division de cette différence de position par la différence de temps. La dérivée est donc une technique mathématique qui permet de calculer ce que vaut le rapport de 0 divisé par 0. Comme on l'avait fait pour le déplacement et pour la vitesse moyenne, on peut écrire que DOP est égal au vecteur V fois DT. Encore une autre façon de voir cette équation. Si je prends la longueur du vecteur DOP, elle doit être égale à la longueur du vecteur V fois DT, ce qui nous permet d'écrire que la durée nulle DT est égale au rapport de la longueur du vecteur DOP divisé par la longueur du vecteur V. Vous pouvez trouver dans différents livres différentes notations, comme la notation de Newton, qui consiste à mettre un point au-dessus de la variable x pour dire qu'on dérive la variable x par rapport au temps, ou deux points lorsqu'on dérive deux fois cette variable. Ou bien la notation de Leibniz, qui est celle que nous utilisons dans ce cours, ou bien encore la notation de Lagrange, utilisée parfois dans les cours de mathématiques, où on indique y' comme étant la dérivée de y par rapport à une variable, disons x, et y seconde, la dérivée deux fois, donc la dérivée seconde de y par rapport à x. On peut représenter géométriquement ce qu'est cette limite. Lorsqu'on revient au graphique précédent où la valeur moyenne était de 7,37 mètres par seconde, on voit bien que si je diminue delta t, eh bien la corde verte va petit à petit se rapprocher et rester toujours d'une corde dans laquelle les deux points sont confondus. C'est-à-dire que la ligne verte qui était une corde qui passait par mes deux points va devenir une tangente à cette courbe. Nous avions vu qu'il était extrêmement facile de passer de la vitesse moyenne au déplacement et du déplacement à la position finale si on connaissait la position initiale et toutes les vitesses moyennes et toutes les durées. Il suffisait en effet de multiplier la vitesse moyenne par la durée, d'ajouter tous ces déplacements à la position initiale et on trouvait la position finale. Géométriquement, si je représente la vitesse en fonction du temps, la vitesse moyenne étant considérée comme constante, si je la multiplie par la durée, j'obtiens la surface d'un petit carré vert. J'obtiens la position finale en additionnant l'ensemble de ces petites surfaces, de ces petits rectangles. Si j'utilise la vitesse instantanée, cela signifie que la durée tend vers zéro et que donc il y a une infinité de petits rectangles à additionner pour trouver la position finale. Cela s'appelle une intégrale. On somme une quantité qui est la vitesse instantanée fois la durée qui tend vers zéro et on somme une infinité de fois pour déterminer la position finale en fonction de la position initiale. On utilise pour définir cette notion d'intégrale un nouveau symbole qui est ce genre de grand S qui représente la somme qui va de t1 à t2 du produit du vecteur vitesse par la durée dt qui tend elle vers zéro. On écrira donc la position finale OP à l'instant T2 égale la position initiale OP à l'instant T1 plus cette somme infinie de quantités nulles qui va de T1 à T2. On voit bien sur le graphique précédent que l'intégrale représente la surface entre la courbe qui représente la vitesse et l'axe des temps. Attention, cette surface est soit positive, soit négative, puisque la vitesse peut prendre des valeurs positives ou négatives. Pour faire le graphique représenté, j'ai en fait utilisé une fonction x qui dépend du temps et qui s'écrit x à l'instant t est égal au sinus de 2t plus t fois le cosinus de 3t. Si vous utilisez vos outils de dérivation, vous pouvez trouver directement la vitesse. La vitesse est la dérivée de la position. La dérivée du sinus de 2t, c'est 2 cosinus de 2t. Par contre, la dérivée de t fois cosinus de 3t, c'est la dérivée de t qui vaut 1 fois cosinus 3t, plus t fois la dérivée de cosinus 3t. Et la dérivée de cosinus 3t est moins 3 sinus 3t.
Donc la vitesse instantanée est 2 fois le cosinus de 2t plus cosinus de 3t moins 3t sinus de 3t. On peut bien entendu redessiner le graphique de la vitesse en rouge ici. Donc le programme de la cinématique est simple, on donne le vecteur position à l'instant t. Pour trouver la vitesse instantanée, on dérive ce vecteur position par rapport au temps. On peut continuer et dériver la vitesse par rapport au temps, c'est ce qui s'appelle l'accélération instantanée. Si on donne l'accélération et une vitesse à l'instant t1, on utilise l'intégrale pour déterminer la vitesse à tout instant t2. Si on connaît la vitesse et la position initiale, on utilise encore une fois l'intégrale pour déterminer la position à tout instant t2. On peut donc utiliser la dérivée et l'intégrale et analyser tous les mouvements qui nous intéressent, c'est ce qu'on appelle la cinématique.